Bonjour à toutes et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat. J'ai été contactée par la boutique Seven Grind. Alors c'est une boutique de Pointe-Croix et donc ils m'ont demandé si je voulais bien faire une collaboration avec eux. J'ai accepté. Donc, je vais vous montrer les produits. Je vous mettrai en barre d'infos et un code. J'ai un code qui vous permet d'avoir une réduction, mais elle est illimitée. Et j'aurai aussi un code pour le Black Friday que je vous mettrai tout en barre d'infos. Et je vous mettrai aussi les liens des articles. Voilà. Mais n'importe comment, tout sera mis en barre d'infos. Vous n'aurez pas de problème. Vous allez tout retrouver. Alors, ce... Comment ça? Je vais regarder où j'en suis. Voilà. Parce que j'ai mis ma tablette pour rechercher, retrouver mes produits. Donc, on va... découvrir ensemble. Donc ça, je vais mettre ça là. Alors déjà, j'ai pris ceci. Alors, est-ce que ça les est? Non, c'est pas ça. Ça va être le premier. Voilà. Ah, il marque. Alors, c'est des enfiles-aiguilles. Alors, il marque comme quoi il y en a 10. Alors, je ne sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Oui, ben, il y en a bien 10. C'est des enfiles-aiguilles. Avant, j'avais l'enfile-aiguille. C'était un fil... oh, je ne l'ai plus, c'était un genre de petit fil qu'on mettait dans le chat de l'aiguille, on le faisait passer et on le faisait passer dans le chat de l'aiguille et on récupérait le fil. Et donc j'ai pris ceci. Alors là vous avez le petit crochet pour les chats de les petits, parce qu'il y a des aiguilles et c'est pas gros, et vous le passez à l'intérieur. Alors est-ce que je vais y arriver, parce qu'en plus c'est l'aiguille qui me sert pour la colle. Je dois avoir de la colle à l'intérieur. Voilà, alors je sais pas si vous voyez là, je l'ai mis. Ah oui, c'est ce que j'ai dit, il y a de la colle. Je vais retirer la colle. Voilà. Voilà. Et j'ai passé mon aiguille. Alors après, vous mettez le fil dans le crochet et vous tirez. Voilà. Et votre fil, il passe. Il passe sans difficulté. Alors vous avez deux petits crochets. J'espère que vous voyez bien. Est-ce que j'ai un papier blanc? Oui. On le voit mieux comme ça. Voilà. Donc j'ai pris ça. Et c'était à 2 euros. Non, c'est pas 2,10 €. Ah oui, ça c'est en dollars. Donc je ne peux pas vous dire. Ben, je vous mettrai le lien, vous verrez. Parce que là, je n'ai pas pour reconvertir en euros. Donc, il y en a 10. Il y a 10 pièces. Donc, après, je vais regarder. Donc, le deuxième. Ah oui, c'est ça. Alors, voilà. J'ai pris le petit ours.
le petit oursin, comme ceci, que j'ai choisi. Je vais mettre ça là, je le prendrai après. Ne tombe pas. Alors, ce qui est bien, c'est parce qu'ils sont tous emballés individuellement, dans des pochettes. Elles sont bien fermées. Et vraiment, j'adore. J'adore. Alors. Alors, derrière, vous avez toutes les explications, comment faire les points. Alors, j'ai pris donc le, comme je vous ai dit, l'ours avec le petit cœur. Donc, c'est un 14 CT. Donc, c'est deux brins. Et la dimension, elle fait 21 sur 21. Là, vous avez la DMC avec les numéros et les numéros des cotons. Et derrière, on retrouve tout le... Comment ça? Je ne sais pas si on voit bien. Le... On voit mal hein, quand même. Ah, c'est bien expliqué quand même. Ah, le focus. J'étais en train de chercher le nom. Voilà. Ah, puis vous avez la patte de derrière. Donc là, on a la toile. Donc avec les symboles, les cotons. Et là, on a tous les cotons qui correspondent à la toile. Et on a deux aiguilles. Je suis en train de chercher. Oui. Oui, il y a deux aiguilles. Voilà, toutes les couleurs. Mais il y en a vraiment largement... assez. Donc voici donc la première toile. Moi je regarde ce que ça veut dire. C'est des choses que je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est pour faire l'entourage, le bastiche, un d'accord. Ouais, bah, je regarderai quand je vais mettre ça entre les deux et je vais remettre dans la pochette. C'est ça qui est bien. C'est parce que les pochettes, on peut commencer un ouvrage, le remettre à l'intérieur et on le ferme et... On n'écarte rien, tout est dans la même pochette. Donc après, donc là c'est pareil, ben je peux pas vous donner le prix parce que c'était affiché en dollars. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous mettrai le lien. Et celui que j'ai pris là, l'autre, alors. Alors, celui-ci, ben, il était épuisé, donc j'ai attendu. C'est de mes anges. Pareil, en 14 CT, et il fait 21 sur 21. Alors, 14 CT, voilà, 14 CT, c'est marqué ici. Alors, en CT, on prend 3 brins, là. Et 14 CT, on prend 2 brins. Ça veut dire que sur un coton, vous avez 6 brins.
pour ça, je vous dis, il reste quand même assez de coton pour faire la toile. Donc, voilà, ça c'est la feuille. Là, c'est le détail. C'est quand même bien expliqué. C'est vraiment bien expliqué. Vraiment, il est beau. Là, vous avez la DMC avec les numéros des cotons. Et vous avez tout. Tout est bien, vraiment bien expliqué. Ouais, vraiment bien. Là. Vous avez la toile. C'est vrai que quand on la voit... Quand on la voit comme ceci, en train de chercher, je suis en train de chercher. Donc là, c'est la branche. Là, là, je suis en train de chercher. Donc là, il est dans le bon sens. Voilà, là, il est dans le bon sens. C'est vrai que quand on voit comme ça, on ne voit pas du tout... Voilà l'image. On cherche le dessin. Là, on voit quand même l'oiseau. Là. Là. Pardon. Et là, c'est tous les cotons. Pour réaliser donc la toile. Par contre, ah oui, j'allais dire, il n'y a pas marqué les numéros. Ah si, c'est marqué là. Ah d'accord. Voilà. Là sur le, par exemple là, vous allez vous servir que de la moitié d'un. Que la moitié d'un, comment ça, d'un coton. Là, vous allez vous en servir de deux. Tout est noté. Ça, je vous en avais largement. Hein, parce que là, si on s'en sert que de la moitié, ça veut dire qu'on va prendre deux fils. Comme c'est un 14CT, il n'y a que 6 fils dans un brin. Un, deux. Voilà. On va prendre deux fils comme ceci. Il y en a 6. Et on a toujours nos deux aiguilles. Oh, vraiment, c'est très beau. Bon, pour l'instant, je n'en fais pas. J'ai pas. Je suis dans les cartes. Mais dès que j'ai un petit moment, je vais commencer à faire du point de croix. Et je vous montrerai, dès que j'aurai un ouvrage terminé, là, je vous montrerai. Voilà. Et ben voilà. Voilà les... Comment ça? Les deux ouvrages que j'ai pris, plus les enfils-aiguilles. Donc la boutique, comme je vous ai dit, c'est la boutique, je suis en train de rechercher, Seven Grint, voilà. Et je vous dis, je vous mets tout en barre d'infos. Hop, là, je suis en train de regarder. Ouais, parce que là, oui, là c'est le Black Friday. Oh, il y a plein de réductions. Alors, point de croix, je regarde ce que l'on peut. Artisanat, on peut faire, ouais, alors il y a pour faire aussi des marque-pages, mais ça en point compté. Vous avez pour faire des porte-clés,
Ouais, tous les marque-pages et sans point compté. Non, ça, je ne peux pas, j'y arrive pas. Moi, je préfère que le marque-page il soit. C'est quoi ça? C'est un porte-clés. Ouais, tous les marque-pages et sans point compté. Hein. C'est ce que je suis en train de regarder. Point compté, pareil. Ah, j'y arriverai pas. J'ai essayé, je ne comprends pas. Ouais. Point compté. Moi, c'est ce que je suis en train de regarder. Il y a aussi pour faire des têtes d'oreiller. Vous avez de la broderie. Vous avez aussi pour faire des sacs. Il y a quoi? Ben, je vous dis, il y a un très grand choix. Ah, une chaussette de Noël. Ah, c'est du point compté. Mais bon, je vous mettrai tout. Je vous mettrai le lien de la boutique. Je vous dis, il y a vraiment un très, 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 très grand choix. Et ben, je vous laisse découvrir cette boutique. Et ben, moi, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Bye bye!